Faut pas aller trop vite parce que la suspension en avant est dégueulasse en tabarnak. Si je lâche ça pis ça part tout croche, je vais me péter à gueule. Mais moi, je veux le lever au moins une fois en trois, là. Oh ouais! C'est très possible si quelqu'un est pas trop heureux. Pis moi, je suis pas peureux, fait qu'en ouais. Oh ouais! Wouhou! Re-bienvenue les mecs, re-bienvenue mesdemoiselles au channel de Willy SM. Aujourd'hui, on se promène en SP250 pour aller se péter à gueule et aller voir si ça fait des Willy. Présentation du nouveau motocross de chalet, un SP250 de Suzuki 1984. Wow! Dans la section commentaires, s'il vous plaît, écrivez-moi la chose la plus inusitée que vous avez fait un wheelie avec. Un kart de golf, un vieux 4 roues 4x4, une tramzam, la mère de votre meilleur chum. Je me sens comme dans les années 80, wouh! Mais faut pas trop la battre si on veut qu'elle nous toffe au moins un été. Bon, j'imagine que la question que vous vous posez tous, si cette vieille barouette-là est capable d'en faire des wheelies. C'est ça qu'on va voir right away. Donc, première vitesse. Oh, tabarnak, oui! Deuxième vitesse. Pense que oui. Oh, ouais! OK, ça lèverait même en trois, si tu y veux vraiment, là. Plus haut. Et c'est sketch quand tu landes, par exemple. La fourche en avant, elle est comme... non, je suis pas fait pour ça, moi, là. Oh, je pense que la clutch s'en va déjà! Et comme tabarnak, lâche-moi, buddy! Deuxième! Troisième! La puissance à l'état brut! Il est comme, hey, là, lâche-moi un peu! Ok, on va slacker les nerfs un petit peu. Beau petit bike de chalet! Ah, c'est capable de faire une petite trace. Oh, tabarnak! Ça grippe plus que je pensais. Willy! Wouhou! Le vieux Suzuki, il est comme, lâche-moi! Lâche-moi, je suis capable! Come on, t'es fait tough, buddy! Oh! Clutch a commencé à trouver le temps long. Comment ça s'appelle ce bicycle-là? Willy! 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 Oh ouais! Oh ouais! Oh my god! Quatrième peut-être? Quatrième! Wouhou! Oh monsieur! 17 horsepower, 300 livres, 1984, probablement rendu à 12, 11 horsepower. Willy en troisième à 50 km/h. Je pense que c'est pas si pire. Barararararara Willy. Barararararara Willy. 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 Trou. Aïe aïe. Maudit bon Yann de Goël. Ça a pas de choc cette affaire-là. Hein? Un bicycle de course. C'est un bicycle de course. Quatrième vitesse, 60 km/h d'une trail avec un 1984. 250 Suzuki. Et il continue sa course folle. Oh, Willy Villeneuve s'en vient à la courbe, hein, Willy? Il s'en vient, il va prendre l'autre courbe à fond de train, mesdames et messieurs. Oh, on se gâte, on en essaye un, ça se fait. Wouh! C'est fait pour rouler de même, cette moto-là. Et tout content. Et comme, yeah, lâche-moi, tabarnak, lâche-moi. Bon, mais là, je vous ai montré que ça peut faire un SP250 de Suzuki 1984 à l'état stock. Là, on va le transformer un petit peu. On va enlever tout ça, ces hosties de flashers-là, toutes les gogosses qui servent à rien. On va y faire perdre au moins 15 livres. On va peut-être ajuster les valves et tout. Je l'entends de titre. Et ce fut l'histoire du Suzuki SP250 1984. Quelle machine de course incroyable!